La crise de la quarantaine chez les femmes, quelles conséquences dans leur quotidien? C'est une période de très grande remise en question dans tous les domaines de vie. Les femmes peuvent remettre en question leur travail, leur couple, leur vie de famille, le sens même de leur vie parfois. Cette crise s'installe progressivement. On observe une certaine irritabilité vis-à-vis de son entourage, voire de la colère parfois. Une certaine lassitude, le sentiment de vivre dans une routine oppressante, insignifiante, le sentiment d'avoir gâché une partie de sa vie, sentiment de vide intérieur, et surtout une grande remise en question qui est assez prenante émotionnellement et psychologiquement. C'est aussi une période où les femmes ont besoin de vivre des changements assez rapidement. Celles qui ont passé beaucoup de temps et d'énergie au travail, celles qui se sont beaucoup investies dans leur vie professionnelle, vont davantage prendre conscience de l'importance de leurs proches, de leur vie de famille. Et celles qui ont passé leur vie à s'occuper de leurs proches réalisent que c'est peut-être le moment de penser à soi, de penser à ses projets. Durant cette période, les femmes sont dans un besoin viscéral d'équilibrer leur vie. Cette crise peut se manifester par une petite déprime passagère et dans certains cas par des troubles psychologiques plus ou moins importants et peut s'installer dans la durée. Elle peut durer de quelques mois à plusieurs années en fonction de chaque personne et varie et dépend de la forme et de l'intensité du mal-être en question, ainsi que des ressources à disposition de la personne et des moyens qui sont mis en place pour retrouver un certain équilibre de vie. La crise de la quarantaine, de quoi parle-t-on exactement? La crise de la quarantaine, c'est un terme qui a été inventé par le psychanalyste canadien Elliot Jack en 1965. Cette crise est caractérisée par la prise de conscience de sa propre mortalité. En théorie, tout le monde sait qu'il va mourir un jour. Mais aux alentours de 40 ans, car d'après les psychologues, la crise de la quarantaine se situe entre 35 et 48 ans. Et aux alentours de 40 ans, cette question de finitude va se concrétiser. D'ailleurs, je peux témoigner que pour ces femmes, c'est le moment du grand bilan. Et je constate que ce qui revient systématiquement, c'est que ces femmes décident à un moment ou à un autre de s'arrêter. Elles s'arrêtent, elles tournent leur tête pour regarder en arrière, et là elles se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? C'est comme si qu'auparavant, il n'y avait pas eu le temps pour cet arrêt, pour ces questions, parce que trop occupée à construire matériellement sa vie, trop préoccupée par le quotidien, trop stressée, trop pressée pour accueillir ces questions existentielles. Et de ce fait, c'est aussi un moment où elles vont se projeter dans l'avenir avec cette question existentielle. Qui suis-je? Où je vais? Qu'est-ce que je veux? C'est le moment des grands choix et des grandes décisions. Les Américains appellent d'ailleurs cette étape la crise du milieu de vie. C'est la période du grand bilan de sa vie avec ce besoin viscéral d'interroger ses choix et son existence. Pourquoi y a-t-il autant de crises de quarantaine dans notre société? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Déjà, il faut noter que la crise de la quarantaine chez la femme est très liée au domaine de vie personnel, alors que chez l'homme, elle est très liée au domaine de vie professionnel. Ça ne veut pas dire qu'elle ne touche pas le domaine de vie professionnel, mais pour la femme, c'est plus lié à sa sphère personnelle, surtout quand les premiers enfants de la fratrie quittent le cocon familial. Ces femmes, ces mères,
qui se sont investis pendant des années corps et âme dans l'éducation de leurs enfants peuvent ressentir et vivre un sentiment de vide, voire d'inutilité après leur départ. C'est le syndrome du nid vide. Elles voient les membres de leur famille avancer, contrairement à elles qui se sentent stagnées, faire du surplace. Un autre paramètre, c'est que cet âge-là peut être vécu comme un problème. Car faut rappeler qu'il est très lié chez la femme à l'entrée dans l'âge de la ménopause, période de grands changements hormonaux, de changements corporels chez la femme, avec la peur de vieillir, de voir son corps changer, de perdre sa féminité, etc. De plus, on observe une absence de modèle. La femme de la quarantaine est assez invisibilisée, que ce soit dans les médias ou dans le cinéma, comme si qu'en vieillissant, elle perdait de la valeur. Et un autre facteur, c'est que dans notre société, il y a une scission entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Les femmes réalisent qu'elles ne sont pas réellement ce qu'elles sont véritablement, mais qu'elles ont juste répondu à une norme. Ce qu'elles peuvent rejeter très violemment et de manière assez radicale parfois durant cette période-là. Elles ont à cette période de leur vie plus que jamais besoin d'alignement, d'équilibre, d'être qui elles sont vraiment en tout temps et en tout lieu. Comment sortir de la crise de la quarantaine? Alors, ce qui ne va pas du tout aider, c'est de refouler cette crise, de rester au piège d'un quotidien qui ne nous convient plus, de se maintenir dans un état de lassitude et d'entretenir son sentiment de culpabilité. Durant cette période, naturellement, les femmes ont besoin de prendre du recul. Comme je l'ai dit précédemment, elles marquent un arrêt dans leur vie. Elles cherchent leur chemin, leur voie. Beaucoup vont quitter leur travail parce que celui-ci ne convient plus. D'autres vont vivre des ruptures amoureuses, des ruptures familiales. On observe de très grands changements, tels que quitter 20 ans de fonction dans la finance pour renouer avec sa vocation de peintre, quitter une vie citadine pour s'installer en pleine campagne et s'engager dans la permaculture, c'est une véritable crise de sens. C'est donc une opportunité pour se redécouvrir, apprendre à se connaître et s'engager dans sa voie. D'ailleurs, beaucoup de femmes s'engagent dans des bilans de compétences, dans des formations en connaissance de soi. Donc cette crise, faut la vivre avec un nouveau regard sur soi. C'est important de revaloriser cet âge. On est au milieu de sa vie. On n'est pas au bout de sa vie. Il reste encore la moitié peut-être, ou pas. Et en travaillant sa pulsion de vie, on peut transformer cette crise en quelque chose de beau. C'est une occasion pour travailler sur soi, apprendre à mieux se connaître et créer enfin un projet de vie qui a du sens pour soi.